par le président de la République d'un côté et les chefs du gouvernement de l'autre le même jour. Jusque-là, le nombre exact des élus de deux côtés n'est pas encore connu, mais des tractations politiques sérieuses se font actuellement face aux enjeux de l'heure. Il n'y a pas de reprise des cours ce mardi 5 janvier 2021 dans le secteur de l'enseignement primaire, secondaire et technique sur l'ensemble du pays. C'est ce qui ressort de la réunion tenue ce lundi entre le ministre Willy Bakonga et l'équipe de riposte contre le Covid-19. 4 janvier 1959, 4 janvier 2021, cela fait exactement 62 ans que les Congolais se souviennent des émeutes marquant un tournant décisif vers l'indépendance du pays. La date est célébrée comme la journée des martyrs de l'indépendance. Madame, Monsieur, merci de la confiance renouvelée à Télé 50 pour vous informer. Un bon nombre de députés ont dîné le dimanche avec le président de la République à la Cité de l'Union africaine. Ils se présentent comme ceux ayant adhéré à la vision de l'Union sacrée prônée par Félix Tshisekedi. Parmi eux, quelques élus du FCC à qui les chefs de l'État a même promis un budget à en croire certains témoignages pour leurs vacances parlementaires, tout en leur félicitant d'avoir choisi la voie de leurs électeurs et différentes familles. Monsieur le Président de la République, chef de l'État, après votre discours, il ne reste pratiquement plus rien à dire. Cependant, au nom du groupe des députés MSG7 et AMK et alliés, nous tenons à vous remercier pour votre invitation. Notre détermination est celle d'obtenir le changement dans notre pays, le changement de la vie de notre peuple, les réformes de notre État et retrouver la fierté d'être Congolais. Notre groupe, sous le leadership de Moïse Katumbi, votre frère, complétera son cahier de charges sur celui qui vous a remis lors de consultation. Il remettra ce cahier de charges à votre autorité et à l'informateur que vous avez daigné nommer. De la prise en compte de nos préoccupations qui seront contenues dans ce cahier de charges, nous scellerons notre partenariat avec notre groupe politique. Nous vous encourageons donc, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, à aller de l'avant pour le changement dans notre pays et le bonheur de notre peuple. Pratiquement au même moment, le chef du gouvernement, Sylvestre Ilunga Ilunkamba, lui, recevait les chefs de regroupement et partis politiques encore fidèles au Front commun pour le Congo pour une cérémonie d'échange de vœux. Le Premier ministre a remercié la majorité parlementaire dont il est issu pour son soutien depuis sa nomination depuis le 20 mai 2019. Les présidents de regroupement et partis politiques du Front commun pour le Congo ont pour leur part renouvelé leur confiance au chef du gouvernement face aux enjeux de l'heure dans une déclaration lue sur place. Déclaration politique des présidents des regroupements et partis politiques du Front commun pour le Congo, FCC en sigle. Les présidents des regroupements politiques, partis politiques membres du FCC, réunis en séance d'évaluation de la situation politique du pays, samedi 2 et dimanche 3 janvier 2021, constatent l'instauration en République démocratique du Congo de pratiques attentatoires aux acquis démocratiques engrangés au cours de ces dernières années au prix des multiples sacrifices de notre peuple. Il s'agit notamment de A. L'offensive de l'UDPS, parti du président de la République, contre le Parlement, en rétorsion à un vote de déchéance d'un de ses membres du bureau de l'Assemblée nationale l'année dernière. L'inviolabilité du siège de celle-ci, proclamée par l'article 7 de son règlement intérieur, jugé conforme à la Constitution par l'arrêt R-Const 891 du 29 mars 2019,
lui accordant ainsi la force d'une loi organique, a été, depuis lors, malmené à maintes reprises par des autorités judiciaires, militaires, policières et même des activistes du parti présidentiel pour contraindre les députés nationaux à se soumettre à la volonté et aux intérêts particuliers du président de la République. Certains parmi ces élus légitimes du peuple congolais ont été soit l'objet de voies de fait ayant abouti au décès de l'un d'entre eux, soit d'arrestations en violation de leurs immunités parlementaires consacrées par l'article 107 de la Constitution et l'article 101 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. L'intrusion du président de la République dans les attributions constitutionnelles du gouvernement et des cours et tribunaux à travers les ordonnances d'organisation judiciaire du 17 juillet 2020 prises en violation des articles 78, 82, 152 et 158 de la Constitution consacrant la compétence liée du président de la République relativement aux propositions du Conseil supérieur de la magistrature en matière et conditionnant la validité de tels actes au contre-sein du Premier ministre. C. L'arrestation arbitraire du ministre de la Justice, garde des Sceaux, pour avoir posé un acte qualifié par le Premier ministre, chef du gouvernement lui-même, de simple faute administrative ne méritant qu'une sanction disciplinaire. Ce qui nous pousse à l'approche du début de la troisième année, jour pour jour de l'entrée en fonction de Félix Tshisekedi comme le deuxième président élu de la Troisième République, à faire un bilan sur ses promesses de campagne, mais aussi depuis sa gouvernance. En ce jour dans l'Est du pays, les présidents de la République ne juraient que sur la paix, sur l'ensemble du territoire national, au prix de sa vie s'il le fallait. Mais malgré les différentes avancées enregistrées par les forces armées, pour l'heure, la situation est plus ou moins statique. Après avoir mis unilatéralement fin à la coalition FCC-CACH, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo doit répondre urgemment aux besoins sociaux, sécuritaires et sanitaires de la population congolaise. Pour cela, 2021, qui est la troisième année du quinquennat du président, doit être une année des grands enjeux. Et le peuple congolais n'attendra plus des explications ni d'excuses, mais des actions concrètes, car le ventre affamé n'a point d'oreille, dit-on. Pour mener à bien sa politique, en cette troisième année, le président Félix Tshisekedi veut se construire une nouvelle majorité à l'Assemblée nationale, surtout après la destitution du bureau de Jeanine Mabunda, et voudrait avoir un gouvernement qui répondra à ses exigences. Mais jusque-là, rien n'est encore acquis. Quand on sait qu'en République démocratique du Congo, la politique nous a toujours réservé des surprises. Le débauchage, le nomadisme politique sont permanents sous l'échiquier congolais. Les hommes politiques se rallient non pas à une idéologie ou à un programme, mais à des clans, à des tribus. Un monde où la transhumance politique ne pose aucun problème. Ces alliés des circonstances seront-ils fiables? S'ils ne trouvent pas des postes, continueront-ils à soutenir la vision de l'Union sacrée? Félix Tshisekedi se retrouve à la croisée des chemins. À bientôt, mi-mandat. Mais au-delà du coup politique qui semble réussir, le président Félix Tshisekedi devrait changer la vie quotidienne des Congolais. L'économie est à la traîne. Le prochain budget a été divisé en deux. L'insécurité progresse dans l'est de la République démocratique du Congo depuis son arrivée au pouvoir. La lutte contre la corruption, un des piliers majeurs de son programme quinquennal, est à géométrie variable. 2021-2023, deux ans seulement nous séparent des élections et le peuple congolais n'attendra pas. C'était dans ce journal. D'autres héros au sein des FARDC cette fois ont rendu l'âme après un terrible accident d'hélicoptère. Il s'agit de deux hélicoptères en vérité en mission sur l'axe Bunia-Kisangani qui ont connu deux crashs en un intervalle de deux jours. Le service de communication et d'information des FARDC a tenu à éclairer l'opinion à ce sujet tout en rendant un vibrant hommage à ces vaillants soldats.
Dans un communiqué de presse signé par le général-major Kasonga Sibanguléon Richard, les FARDC portent à la connaissance de l'opinion que deux hélicoptères en mission sur l'axe Bunia-Kisangani ont connu un crash en l'intervalle de deux jours, avec à son bord trois membres d'équipage. L'hélicoptère Bell 205-9THB3 a crashé le 28 décembre 2020 au village Bekeni, Kandolole, situé au PK-147, parti en mission d'évacuation sanitaire au secours du premier. Le deuxième hélicoptère immatriculé Bell 205-9THB8 transportant quatre militaires, dont deux membres d'équipage et un mécanicien, est lui aussi tombé le 30 décembre 2020 dans une concession forestière au village Babakolo, à 59 km de Kisangani. Le bilan global fait état de 7 morts et un blessé immédiatement pris en charge médicale à Kisangani. En vue d'élucider les circonstances qui entourent ce double crash et d'en dégager les responsabilités, une commission d'enquête plurisectorielle mise sur pied en exécution des instructions du chef de l'État et commandant suprême des FARDC va se rendre sans délai sur les théâtres du crash. Pendant ce temps, les corps des disparus combattants des FARDC, morts en plein exercice de leur mission, déjà regroupés à Kisangani, seront acheminés à Kinshasa pour des obsèques dignes selon les us et coutumes militaires. Les FARDC présentent leurs profondes condoléances aux familles éplorées auxquelles elles témoignent toute leur compassion. Et pendant que les politiques se chamaillent, les cases brûlent dans l'est de la République démocratique du Congo, des terribles événements meurtriers ont eu lieu à Beni, endeuillant ainsi la fête de Saint-Sylvestre et semant une sérieuse psychose dans le chef de la population. Plusieurs leaders politiques ont haussé les tons pour dénoncer ces atrocités. Pour en savoir davantage, nous sommes en ligne avec notre correspondant sur place, Martial Bendelo. Quelle est la situation actuellement ? Oui, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est vrai, Beni fait encore face à une menace terroriste qui est palpable, avec évidemment des attaques répétitives dans différentes localités, différents villages. Mais le mieux qu'il faut retenir, c'est que les dernières tueries à Beni datent du 31 décembre dernier. C'est en ce moment-là qu'il y avait eu des nouvelles des tueries du côté de Eringeti, dans la partie nord-est du territoire de Beni. C'est là quelques jours après justement des attaques répétitives du côté du secteur de Rwenzori, où il y avait la localité au milieu, le village de Mutuanga-Nzenga, qui avait été attaqué par les ADF. Et dans ce village, les ADF avaient emporté avec eux quelques civils pour les amener en brousse en direction notamment de l'Oselose. L'Oselose, c'est situé à quelques kilomètres de là. Et vous le savez que l'Ocelo de ce village a été repris par l'armée il y a pratiquement 4 jours. C'était le jour notamment de la Saint-Sylvestre que l'armée avait repris les contrôles de ce village. Et lorsque l'on parle des nouvelles tueries, c'est dans ce village, justement, de l'Ocelo, que lorsque l'armée a pris les contrôles en cherchant l'ADF de ce village, on a retrouvé évidemment des corps déjà décapités par les ADF avant de décrocher. Et l'on estime que ce sont des civils qui avaient été emportés par ce terroriste, notamment dans les villages ou dans les agglomérations environnantes. Donc la dernière tuerie, il faut le dire, date du 31 décembre dernier. Et depuis lors, la situation semble être un peu calme, bien sûr précaire, parce que l'armée continue avec des opérations dans ces villages-là. Ce que je voudrais ajouter, c'est que le dossier était presque devenu le nouveau bastion de l'ADF dans le secteur des Rwenzori. Et c'est dans ces villages que l'armée a réussi à neutraliser une dizaine de terroristes de l'ADF, parmi lesquels deux combattants de la peau blanche que l'armée identifie aux Arabes, qui seraient venus évidemment en appui aux combattants de l'ADF qui sont en train d'envahir la région depuis maintenant plusieurs années. Merci pour toutes ces précisions, Martial. Et en éducation, comme on le craignait, la reprise des cours prévue pour ce 5 janvier est reportée à une date ultérieure. Ainsi en a décidé le ministre de tutelle Willy Bakonga,
et le responsable de l'équipe de riposte contre la COVID-19, le docteur Jean-Jacques Mouyembe. Les deux parties devraient se retrouver une fois de plus dans 3 semaines pour évaluer la situation des événements. Il faudra encore attendre quelques semaines avant de revoir les bleus et blancs dans les rues du pays. À l'issue de la réunion tenue ce lundi, les deux parties convergent sur la même conclusion. Il est imprudent de renvoyer tout de suite les élèves à l'école. Le ministre de l'EPST, Willy Bakunga, refuse donc de mettre en danger les enfants. Il faut absolument préserver la santé de nos enfants de la deuxième vague, n'est-ce pas, de la COVID-19. Mais ici, après analyse et échange, nous avons vu certainement que aujourd'hui, nous ne pouvons pas, n'est-ce pas, reprendre le cours demain. D'après les experts de l'INRB, la pandémie est actuellement dans sa phase ascendante, avec un taux de contamination d'au moins 30%. En un temps record, la deuxième vague a dépassé le pic de la première, ce qui oblige les politiques à plus de responsabilités pour sauver les enfants. C'est pour fuir intensement le virus. Comme il circule intensement, je pense que une décision responsable serait qu'on attende encore un peu. Et puis quand on voit même les taux de positivité, c'est-à-dire que si on prend même sur les Covid du voyage, qu'on fait un peu partout, si on prend le nombre de positifs sur 100 personnes, on est vraiment élevé. Depuis quand on est arrivé au niveau le plus bas, on avait 1%. C'est-à-dire que vous avez un cas positif sur 100 personnes examinées. Maintenant, nous avons plus de 30%. La détermination du ministère de l'EPST est intacte, par contre, pour que rien n'entrave la bonne marche des enseignements. Un autre rendez-vous est pris entre les deux parties pour une évaluation de la situation dans 3 semaines. La date du 4 janvier est considérée depuis 1959 comme le déclic de l'obtention de l'indépendance du Congo belge à l'époque. Il est signalé ce jour une série de meutes et troubles sociaux à Léopoldville après que l'autorité coloniale ait interdit une manifestation de l'Abaco avec une répression extrêmement violente avec au moins une cinquantaine de morts. Une année et demie plus tard, soit le 30 juin 1960, le Congo belge sera déclaré indépendant. Nomination de Modeste Bahati Lukwebo par le président de la République en qualité d'informateur. La Ligue des femmes de l'Alliance des forces démocratiques du Congo adresse ce remerciement au chef de l'État. La déclaration des femmes de l'AFDC a été lue par la présidente nationale Claudine Doucy. Les femmes de l'Alliance des forces démocratiques du Congo et alliées remercient le président de la République, chef de l'État, Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, d'avoir jeté son dévolu sur notre autorité morale, le sénateur professeur Modeste Bahati Lukwebo, un homme expérimenté, conciliant et rassembleur. La Ligue des femmes de l'Alliance des forces démocratiques du Congo appelle tous les fils et filles de la République démocratique du Congo, en particulier les femmes, à quelque niveau qu'elles se trouvent. Nous voulons dire les femmes de l'administration publique, les femmes politiques, les femmes de la société civile, les femmes maraîchères, toutes les femmes donc, d'apporter leur soutien à l'informateur en vue de faciliter l'accomplissement de sa mission pour l'intérêt supérieur de la nation congolaise. La Ligue des femmes de l'FDCA profite de cette occasion pour présenter le vœu le meilleur de nouvel an à Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à l'ensemble population congolaise, ainsi qu'à l'informateur, à qui elle souhaite plein succès dans sa lourde et noble mission. Restons dans ce chapitre pour parler cette fois de la communauté des Bashi organisée au sein des Signabou Goumas Bel, qui remercie à son tour le président de la République, Félix Tshisekedi. Il en dit dans une déclaration. La communauté des Bashi, regroupée au sein des Tshinyabuguma ASBL, a appris avec grande satisfaction la nomination, conformément à l'article 78 de la Constitution, du sénateur professeur Modeste Bahati Lukwebo en qualité d'informateur. Ceci étant,
Les Tignabougouma expriment à votre Excellence tous ses remerciements pour la confiance placée en l'un de ses dignes et valeureux fils. Ainsi, les Tignabougouma considèrent cette nomination comme un honneur fait à tous les Bachis en particulier et à toutes les filles et fils du Kivu et de la République démocratique du Congo en général. Étant donné les qualités intrinsèques, les performances politiques et managériales, la capacité d'écoute, l'esprit rassembleur et la parfaite connaissance de la réalité de la scène politique que possède le professeur Modeste Bahati, que nous félicitons en passant, nous sommes d'avis qu'il va mener à bien la tâche combien exaltante et noble qui lui est confiée. Les Tignabougouma profitent de cette occasion pour soutenir les actions salvatrices du chef de l'État, lui présente ses vœux le meilleur de bonheur et de longévité et prie pour que le Tout-Puissant lui accorde la force et la sagesse nécessaires pour conduire la RDC vers une destinée meilleure. Le Tignabougouma exhorte enfin les hommes politiques en général et les députés nationaux en particulier à s'engager activement dans la série des réformes enclenchées par Son Excellence, Monsieur le Président de la République, et visant l'intérêt général de la population. L'Alliance pour la bonne gouvernance a un nouveau siège à la hauteur et à la taille de ses ambitions politiques, son autorité morale. Jonathan Bialosukawata a consacré son week-end pour son inauguration à travers la coupure du ruban symbolique de ce bâtiment équipé de matériel pimpant neuf. C'est désormais d'ici que le Sosopembe de l'Alliance pour la bonne gouvernance chantera pour le réveil de la République démocratique du Congo. L'autorité morale de l'ABG a procédé à la coupure du ruban symbolique de ce bâtiment sur l'avenue Enseignement, en face du géant Stade de Martyrs dans la commune de Kassavubu. C'était en présence de tous les cadres du parti et quelques militants triés pour respecter les gestes barrières, mais surtout de tous les élus de l'Alliance pour la bonne gouvernance, derrière son autorité morale, Jonathan Bialosukawata, qui parle d'une journée historique pour le parti. Un siège qui est à la dimension du parti, puisque la BG c'était le parti de masse. Il faudrait que nos bases, nos populations sachent là où doivent se retrouver pour avoir les informations du parti, là où l'administration du parti est organisée. Donc comme vous pouvez le remarquer, la BG est installée dans la ville de Kinshasa et à travers la République. Et ce siège est au quartier général des partis politiques digne de leur nom dans cette ville. C'est sourire aux lèvres que le tour des bureaux est effectué pour constater la fraîcheur de cette nouvelle maison du peuple, l'ABG étant un véritable parti des masses implanté dans le pays. Après que l'année 2020 vient de se terminer avec la Covid et toutes les tracasseries que cette année a comportées, voilà que l'Alliance pour la bonne gouvernance commence ses activités en 2021. Par l'inauguration de son nouveau siège, deux, par la nomination de l'interfédéral de la province de l'Ituri. Trois ans après, l'ABG, qui compte déjà une bonne dizaine d'élus, ne compte pas s'arrêter là. Très ancré au milieu de la population ces dernières années, l'Alliance pour la bonne gouvernance continue de s'imposer comme un poids lourd sur la scène politique congolaise. Après les tensions observées dans le MSR, Mouvement social pour le renouveau, parti cher à l'ancien président de la République Joseph Kabila, François Rubota et Jean-Claude Vahamiti sont désormais exclus de ce parti politique. Suivez cette déclaration. Le bureau politique, vu la loi numéro 04/002 du 15 mars 2004, portant organisation et fonctionnement des partis politiques, vu l'arrêté numéro 25 du 23 janvier 2016, portant enregistrement d'un parti politique, vu les statuts du MSR du 6 janvier 2016, vu qu'en date du 13 décembre 2020, le secrétaire général et le secrétaire général adjoint chargé du processus électoral
et de la formation du mouvement social pour le renouveau ont engagé le parti MSR, membre du regroupement ADRP, sans en avoir reçu mandat du Congrès, conformément aux prescrits des statuts. Vu le mandat donné par l'initiateur du parti MSR à son délégué en date du 19 décembre 2020 pour présider la réunion du bureau politique du parti, vu l'urgence et la nécessité, le bureau politique décide, sont exclus du parti MSR et démis de leurs fonctions, M. Roubota Masumbuko François, secrétaire général, M. Vahamwiti Mukesia Ira, Jean Chrysostome, secrétaire général adjoint. Il est réinterdit d'engager le parti ou de parler en son nom. Ils sont priés de remettre au parti tous les biens en leur possession, véhicules, sceaux du parti, bureaux du parti, documents du parti, matériel informatique et insignes du parti MSR. Crise politique au pays, les jeunes Katangais réunis au sein de l'UJICA, Union de jeunes Katangais, sont montés au créneau pour affirmer leur position. Réunis au sein de l'Union des jeunes Katangais, UJICA en sigle, analysant la situation politique de la République démocratique du Congo, constatons depuis un certain temps la violation flagrante et intentionnelle de la Constitution mettant en mal le bon fonctionnement des institutions par ceux-là même qui en ont la responsabilité constitutionnelle, dans le but d'instaurer une dictature sans précédent par un passage en force. En effet, nous dénonçons 1. Une procédure anticonstitutionnelle au Parlement, notamment avec la nomination de l'informateur en cours de législature pour dégager une majorité, alors qu'un gouvernement de la majorité parlementaire est en place. 2. La corruption et le débauchage des députés pour constituer une nouvelle majorité. 3. La déstabilisation des institutions provinciales, particulièrement dans les provinces du Katanga. 4. Les arrestations arbitraires et autres actes d'intimidation tendant à réduire la liberté d'expression et d'opinion, gage de toute démocratie. 5. L'instrumentalisation de la justice et l'instauration d'un monopartisme qui ne dit pas son nom. Condamnons avec la dernière énergie ce qui se passe à Kinshasa, que nous qualifions de coup d'État constitutionnel. Et l'Alliance pour le salut du peuple de Jean-Marie Runiga, de son côté, salue la mise en place de l'union sacrée par le chef de l'État. Ses militants l'ont fait savoir dans une déclaration. L'ASP soutient et adhère à la décision du chef de l'État congolais de mettre un terme à la coalition FCC-CAS et de la remplacer par l'union sacrée pour la nation. 2. L'ASP salue et soutient les efforts des chefs de l'État congolais et rwandais, leurs excellences M. Félix-Antoine Tshisekedi et M. Paul Kagame, grâce auxquels un accord avait été signé à Kigali le 12 juillet 2019 entre le gouvernement congolais et les leaders ex-M23 vivant au Rwanda, et une feuille de route avait été établie le 28-10-2019 sous la facilitation du gouvernement rwandais en vue d'en finir avec les rébellions et l'insécurité endémique qui continuent à saper tout espoir de paix, de stabilité et de développement tant de la RDC que de toute la région des Grands Lacs. 3. L'ASP salue la résolution 2556 du Conseil de sécurité qui demande au gouvernement congolais et aux pays voisins de mettre en œuvre l'accord cadre d'Addis Abeba et le rapatriement des ex-M23. 4. L'ASP soutient toute initiative du président de la République démocratique du Congo visant à promouvoir la réconciliation nationale, la restauration de l'autorité de l'État, les droits de l'homme, l'intégration régionale,
le retour de la paix et la sécurité à l'est de la RDC et dans la région des Grands Lacs. À Goma, les opérateurs économiques Yira et Nandé, membres de la Fédération des entreprises du Congo, ont évalué la situation actuelle du commerçant local. C'était au cours d'une cérémonie d'échange de vœux pour l'année 2021. C'est au cours d'une cérémonie d'échange de vœux que ces opérateurs économiques de la communauté IRA se sont retrouvés à Goma pour aussi parler de leur structure. Nous avons profité de l'occasion pour souhaiter nos vœux nos meilleurs à nos membres. Nous avons également profité de l'occasion pour souhaiter les vœux les meilleurs de son Excellence Monsieur le Gouverneur, puisque en dehors de nos fonctions de président de notre corporation, nous sommes, comme vous le savez, membres du gouvernement. Légalement connu par l'État congolais, car il y a tous les textes lui autorisant de fonctionner, cette structure qui regroupe les opérateurs économiques IRA se veut un endroit de partage d'expérience afin de permettre à ces hommes d'affaires d'avoir aussi d'unité de production localement, a fait savoir Maître David Kamoua, président de cette corporation. Nous le disons tout le temps qu'il est anormal que nous continuions à exporter les cure-dents, les papiers hygiéniques, les petites choses à l'extérieur. Nous venons d'adhérer à la zone économique africaine, mais également à l'Eastern African Community. Nous devons produire pour renforcer notre économie et pour être compétitifs sur le plan du marché international. C'est tout cela que nous échangeons, c'est tout cela que nous apportons à nos membres pour qu'effectivement nous puissions être forts sur les rendez-vous des données et des recevoir. Pour lier l'utile à l'agréable, un repas a été partagé pour mieux renforcer les liens de collaboration entre ces opérateurs économiques IRA de la ville de Goma. A noter que le membre de cette corporation a profité de cette occasion pour remercier le gouverneur du Nord Kivu Kalin Nzanzu Kasivita pour avoir nommé leur président David Kamoua au poste du ministre provincial des Finances. Un rappel des principaux titres. Les Congolais ont vécu un scénario. Deux groupes de députés nationaux se sont retrouvés dans deux dîners donnés par les présidents de la République d'un côté et le chef du gouvernement de l'autre le même jour. Jusque-là, le nombre exact des élus de deux côtés n'est pas encore connu, mais des tractations politiques sérieuses se font actuellement face aux enjeux de l'heure. Il n'y a pas de reprise des cours ce mardi 5 janvier 2021 dans le secteur de l'enseignement primaire, secondaire et technique sur l'ensemble du pays. C'est ce qui ressort de la réunion.